Intéressant aussi, JAM, entendez par là Jazz Animation à Moulins, qui sur 3 jours associe le Jazz Club Moulinois au printemps musical de cette bonne ville. Une première pour cette association de musiciens et de sympathisants, qui en 3 ans d'existence a déjà fait la preuve de son dynamisme et de sa passion. Ces 4 formations seront sur le devant de la scène, avec un certain nombre d'autres formations régionales invitées pour l'occasion. Le Jazz Club de Moulins existe depuis 3 ans, ça représente combien de membres et combien de musiciens surtout? Mais ça représente 232 membres exactement et 54 musiciens. Bon, sur les 54, il y a plusieurs formations. Et est-ce qu'on peut dire que le jazz vit bien à Moulins? Je pense que depuis 3 ans, on a montré que le jazz vivait pas mal et ça s'est bien développé, ça s'est bien développé. Vous allez participer là, au printemps musical de Moulins, vous allez faire des animations. Alors, qu'est-ce que vous en attendez? Ce qu'on en attend principalement, c'est des rencontres sympathiques entre musiciens et puis aussi faire connaître le jazz de façon un petit peu publicitaire, que le grand public le connaisse un petit peu mieux, parce qu'on est toujours dans nos 4 murs, on va essayer de sortir un petit peu dans la rue. Qu'est-ce que vous allez proposer durant ces 3 jours? Alors ce qu'on propose, c'est plusieurs journées. La première soirée, c'est le jeudi 5, c'est la soirée d'ouverture au Bercy. Il y a un historien du jazz avec Jean-Pierre Salva et sa formation. Et le lendemain, c'est le concert du Jazz Club au théâtre, hein, avec toutes les formations. Et le samedi, dans 4 cafés moulinois de 15h à 19h, il y aura 8 formations régionales qui viennent d'Aurillac, de Guéret, de La Charité, de Clermont. Et à 21h, on réunit tout ce beau monde au foyer de jeunes travailleurs avec les musiciens du Jazz Club et on fait une jam, jazz session. À signaler que le quartet Pibec sera le 25 au Clown avant de faire la saison au Casino de Vichy, que Benny Carter viendra clôturer la saison des Amis du Jazz de Clermont-Ferrand, que Michel Portal et Bernard Lubat seront à Aurillac, toujours pour Musique en mai, et que Memphis Slim nous revient, cette fois-ci avec Michel Denis.